Alors, on va tout de suite inviter Jonathan. Voilà. Donc, désolé pour ce faux démarrage. Alors, donc, on est en place pour la séance de réponse aux questions pour suite à l'épisode sur ben, ce qui vient de nous arriver. Alors, voilà. J'attends que Jonathan se connecte et ensuite on va répondre à vos questions, hein. Ce sera plus sympa. Voilà. Donc il y a déjà du monde qui s'est connecté. Donc ça veut dire que ça fonctionne. C'est déjà pas mal, hein. Alors, est-ce que en balay... Ah non, en balayant spectateur en direct. Ouais, non, là je vois les photos des gens. Et il y a Alexandre qui est connecté, qui me fait salut. Donc je te dis salut. Et je suis en train d'attendre Jonathan pour pouvoir répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à bombarder nous de questions. On va essayer de répondre à un maximum de questions. Essayer de faire en sorte que le peu d'informations qu'on a, on vous les partage. Hein, c'est quand même l'objectif ce soir sur cette discussion sur la nutrition des coraux qui sont dans les parties hautes. Du récif. Et puis voilà. Donc j'attends vos questions, même si Joe n'est pas encore là, histoire d'apporter une réponse aux questions que vous puissiez avoir. J'espère que le son est bon. Hein, pour la première fois, moi je suis stabilisé, donc c'est pas mal. Mais je suis dans ma cave pour pas gêner madame. Hein, comme beaucoup, madame n'aime pas trop m'entendre raconter plein de choses à côté d'elle. Donc, je suis dans la cave. Ah, donc, vous écoutez, vous connaissez, enfin, ceux qui me connaissent, hein, voilà, il y a quand même un aquarium derrière moi, c'est juste celui de l'osmosé. Allez, donc, nutrition, personne? Bon, je vais commencer à parler tout seul. À la limite, ça ne change pas grand-chose à ce que je fais d'habitude, hein, parler tout seul. Mais on va faire ça comme ça, histoire que ça commence un petit peu et que ce soit un minimum intéressant pour les gens qui regardent. Donc on a dit, bien sûr, la nutrition, ça commence dans un premier temps par la lumière. Ok, tout le monde l'a compris, la lumière, on a un spectre spécifique qui est utilisé par nos zooxanthelles qui sont abritées dans les coraux. Donc la zooxanthelle, c'est une algue symbiotique du corail. Elle va faire la photosynthèse. La photosynthèse, ben, c'est comme les feuilles dans nos arbres, hein, pareil. Ça va permettre d'approvisionner le corail en différents matériaux, dont des carbones et du sucre, hein, sous forme de sucre. Et c'est un échange qui, ensuite, le corail donne à la zooxanthelle ses déchets et qu'elle utilise dans ses processus biologiques. Donc ça, déjà, cette symbiose-là, il est important de la comprendre. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a quand même dans la nature, mais aussi comment dire, dans nos aquariums, il y a de la chasse. Alors, nos coraux, ça fait partie des cnidaires, hein. En général, on dit coraux, hein, parce que on souhaite blesser personne. Mais c'est des cnidaires et qui dit cnidaire dit cnidoblaste. Cnidoblaste, c'est quoi? C'est en fait sur la tentacule de nos différents coraux, on a comme des petits harpons qui sont à différents endroits. Leur objectif, c'est de chasser et d'apporter des nutriments à notre corail pour les digérer et donc manger réellement. Dans la nature, en fait, on a des phénomènes qui sont cycliques et qui vont avoir lieu principalement, on va dire, le soir. C'est tout ce qui est les upwellings, donc c'est les fonds marins qui vont être balayés et on va avoir des remontées avec énormément de plancton, hein, et alors, si il fallait faire des mesures de phosphate et de nitrate à ce moment-là, on deviendrait fou. Et donc, ce plancton-là, il est chassé par les cnidoblastes, donc ces genres de petits harpons qu'ont nos coraux, et ramené ensuite dans un endroit spécifique du corail pour être digéré.
J'ai perdu le nom scientifique. C'est parce que je travaille sans notes, puisque c'est le principe du truc. Donc, je perds des petits mots scientifiques, ça m'arrive. Mais en même temps, on s'en fout, hein. Je pense que si vous avez compris que ça se digère à un endroit, c'est le principal. Donc, dans nos aquariums à nous, ça, c'est le genre de choses qu'on peut. Ah, ben voilà, il y a Jonathan qui arrive, hop, et je te dis, voilà, à joue. Punaise, et tu. Moi, je me galère là, je t'attends. Donc, résultat des courses, nous, dans nos aquariums, on va rajouter des produits pour nous. Mais ces produits, il faut faire attention parce qu'un corail, en fait, il va avoir tendance à manger de la viande. Enfin, du poisson. Alors, ça va, Jonathan? Ça va? Bien? Ouais, c'est bon. Bon. Ça a changé de partenaire. Eh oui, on fait de l'échangisme de live. Non. Donc, on en était sur la partie où on va répondre aux questions des gens. Et donc, Minutes et 5 minutes. j'introduisais un petit peu le sujet de qu'on vient de traiter, enfin que tu viens de traiter avec Frédéric, mais pour voir pour que les gens posent leurs questions, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même faire une grosse différence entre la nourriture qui est disponible dans la nature et celle que nous on propose. Parce que on arrive quand même aujourd'hui à proposer des nourritures de type hétérotrophes, on est bien d'accord, à nos coraux. Sauf qu'il faut faire attention à la nourriture hétérotrophe qu'on propose, parce que dans la nature, c'est pas de la. Même moi, j'ai fait l'erreur hein, de proposer de la spiruline en poudre, mais c'est pas du tout dans le régime alimentaire normal du corail de manger de l'algue. Il va manger plutôt des zooplancton. Bah, disons que la spiruline, c'est du phytoplancton, de toute façon. Si on voulait vraiment la cibler et vraiment la nominer, la spiruline, c'est une cyanobactérie, c'est un cyanophysé, et en tant que tel, c'est du phytoplancton. Mais dans les planctons qui sont mangés par donc nos coraux, et vu qu'ils utilisent des blasts pour aller les chercher, c'est souvent quand même le zooplancton qui est recherché pour pouvoir être digéré et amener plus d'énergie. Zoo, phyto, il y a les deux, hein. Après, tout dépend du corail. Parce qu'en fait, c'est toujours le même problème. C'est effectivement, plus tu vas descendre, plus tu vas avoir un besoin d'un apport en zooplancton, plus tu vas aller en profondeur. Donc, le deep corail, il va plutôt avoir un besoin de zooplancton, puisqu'il va lui falloir des choses beaucoup plus productives en nourriture, quoi. Et de la même manière, sur du corail qui sera plus haut dans le récif, il va plutôt être demandeur de phyto. Donc, selon qu'on ait des deep ou pas, il faut modifier le type de plancton qu'on propose. Et c'est vrai que Exact. les cnidoblastes et les tentacules, entre guillemets, hein, les polypes de nos coraux sont différents selon ce qu'ils vont préférer attraper. Exact. Hein, donc, il faut faire bien attention à ça et à adapter donc, la nourriture qu'on va rajouter pour nos différents coraux. Donc pour ça, au niveau des nourritures, on a des nourritures aujourd'hui qui sont au format liquide, au format poudre. L'idée, c'est quand même de reproduire un peu les appuis libres. Ouais, reproduire le pooling, ça va être compliqué. Avec une Oui. stream 3, peut-être. Oui, c'est Non, ce mais que je m'agissais d'idée. reproduire un pooling, ça tient pas de l'impossible, mais on en est. Ça tient pas de l'impossible puisque je l'ai fait. Mais enfin, je m'en suis rapproché plus pour les éponges à la base. Mais effectivement, le pooling, il va être utile à certains, il sera pas utile à d'autres. Maintenant, c'est ce que j'expliquais à la première vidéo que j'ai fait avec Fred. Suivant les milieux, on va appeler certaines espèces endémiques parce que 1 mètre après, tu la retrouves pas de la même manière qu'un mètre plus loin. Pourquoi? Ben parce qu'un mètre après, tu as un courant qui passe qui est toujours le même. Et comme par exemple, tu pourras avoir le Gulf Stream qui passe à côté.
un courant chaud, donc il va pas amener la même nourriture. Et il passe toujours là en permanence. Hein, donc l'animal en question qui vit dans ce courant, il va pouvoir vivre pleinement toute sa vie. Et par contre, il ne va pas faire transiter la même microfaune, la même macrofaune, les mêmes phytos, les mêmes choses. La nourriture ne sera pas du tout la même. Alors qu'un mètre à côté, bah, tu n'es plus dans le upwelling et du coup, bah, tu ne profites pas du tout de la même chose en termes de température, en termes de nourriture. Et deux espèces qui sont au même endroit, qui ont la même provenance, bah, n'auront pas du tout les mêmes attraits physiques par acclimatation à leur milieu, en fait. Ok, excuse-moi, je balaye un petit peu, j'essaie de regarder s'il y a des questions, et à part que Ouais, bah, ça ne passe pas, moi, pour Gauthier. moi, ton image, elle est figée, donc je te vois pas bouger, moi. Je t'entends bien, mais Ah je te ben, vois pas bouger. écoute, pour l'instant, apparemment, ça. Alors, combien de fois faut-il nourrir les coraux et est-ce qu'ils mangent des artémias aussi? Donc ça, c'est une belle question qui a été posée par Mehdi et il y a Touloche qui propose une question à peu près équivalente et Frédéric aussi. Donc pour toi, c'est à combien? Parce que perso, moi, je nourris une à deux fois par semaine. C'est ça, c'est bon, c'est dans les clous. Dans la nature, tu nourriras en permanence. Dans la nature, tu nourriras en permanence, mais dans l'aquarium, ça va être compliqué. Pour la simple et bonne raison, c'est que ton aquarium ne sera pas dans la capacité d'épurer ce que tu vas amener. Alors que si tu nourris sous cloche chaque coraux qui en ont besoin, eh ben, à ce moment-là, ce sera judicieux de le faire deux fois par semaine, au moins deux fois par semaine. Donc, bon, moi perso, je nourris pas sous cloche. Je pars du principe que j'aime bien voir la chasse. Donc, souvent, je balance dans le courant, en ayant bien sûr stoppé la filtration, mais je balance dans le courant de la stream. Et puis, comme ça, les coraux prennent ce qu'ils peuvent. Alors, il faudra que je retrouve pour pas de morale, parce que il me semble que la daphnie en eau de mer, elle est nocive. C'est un poison. La Daphnie, déjà, c'est un animal d'eau douce en général. Mais sinon, il mange des artémias aussi. Enfin, on peut nourrir avec des artémias, mais si on fait des nopilles d'artémias fraîches, ça va imiter du zooplancton frais. Donc, ils peuvent manger Ouais, du des nopi artémias. d'artémia va être suffisamment petit pour être consommé. Les artémias, non. Les artémias, c'est gros. Les artémias, si, ça va être intéressant pour tout ce qui est LPS. Du LPS avec des gros mésotentacules, oui, celui-là, il va le manger. Par contre, oui, l'histoire des daphnies, il faudra que je vérifie, mais je crois que c'est le daphnie. Le daphnie, en fait, est produit une toxine, en fait. Et en eau douce, elle est plus ou moins assimilée, cette toxine, donc ça pose pas de problème. Mais en eau de mer, elle n'est pas du tout assimilée. Donc, il faut faire attention avec la Daphnie. Mais il faut que je vérifie, hein, parce que je suis plus sûr. Il faut que je revérifie. Mais regarde, éventuellement, tape sur Google Daphnie en eau de mer. Et il y a plusieurs études, je crois, dessus. Et je ne sais Ouais, plus vraiment si c'est la Daphnie. comme Mais tu le n'hésite pas vois, à le taper sur Google, tu vas le trouver normalement. ouais, parce que comme tu le vois, je suis dans la cave juste avec le téléphone, donc le taper sur Google, là, je ne peux pas. J'espère Non, que mais c'est quelqu'un. pas, hein. Pas de morale en fait. Mais bon, c'est vrai que c'est intéressant à savoir. Ni adulte, mais c'était pour nourrir les poissons. Donc, ils n'en sont pas morts, mais en même temps, dans mon volume, peut-être que là, Mais t'en en as donné fait. combien de fois? C'est pas pareil, hein. Ah T'en oui, donnes j'en une donne pas. fois, ça passe. T'en donnes pendant une semaine et puis tu fringues tout, hein. Non, non, je donne ce genre de choses. Je ne les trouve pas fraîches tous les 2 jours, donc je fais attention. Surtout si elle est bio. Tout à fait. Non, non, mais la faire soi-même et donc avoir de la daphnie bio où on connaît toute la traçabilité, on est d'accord qu'il faut faire attention. Bref, on attend d'autres questions parce que là, je vois que moi, j'ai que affiché des messages de gens qui regardent, mais j'ai pas trop de questions sur ce nourrissage.
Au niveau des acides aminés, c'est vrai qu'on n'a pas dit grand-chose sur l'impact de l'ajout d'acides aminés sur nos coraux. Et pourtant, quand on nourrit, c'est aussi pour avoir une source d'acides aminés. Est-ce que là aussi, je ne sais pas s'il y a des questions, mais à mon sens, ça peut être une partie intéressante à voir. Les acides aminés, c'est pareil. L'avantage des acides aminés, c'est que ce qui n'aura pas été consommé par les coraux va être enlevé par l'écumeur. Donc, grossièrement, ça va profiter aux coraux, ça va profiter à d'autres choses dans le bac, mais concrètement, ça va pas être cumulé, si tu veux, dans l'aquarium. Et ne sera consommé que ce que le corail a besoin de consommer. Donc, c'est pas grave si tu en mets un peu plus que tu devrais en mettre. Au pire, c'est gaspillé, ça part à l'écume. Oui, ça part très très facilement à l'écume parce que c'est un gros tensioactif, l'acide aminé. Et ça. Et donc, ça va être très vite dissipé, quoi. Donc, concrètement, les acides aminés, tu peux pas trop te tromper, quoi. Ah, les acides, attention, parce que dans les acides aminés, tu vas retrouver les acides gras, dont font partie les oméga-3, Julien, et oméga-3 et 6. À mon avis, très honnêtement, si tu les retrouves quelque part, celles-ci, tu les retrouveras sous une forme solide, donc par le biais d'une poudre. Mais si tu me montres comment tu fais pour les retrouver sous une forme liquide, je veux bien, parce que ça sera de l'huile, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a certains oméga-3, enfin certains oméga qu'on trouve principalement dans nos huiles de cuisson au niveau Les ménager, oméga-3 et mais parce que 6, c'est des corps gras, leur forme normale. ils sont toujours sous forme de corps gras. Donc, si tu les retrouves dans une portion liquide, comme j'ai pu le voir chez certains, malheureusement, liquide, non. Non, tu peux pas. Ou alors, il va y avoir une nappe de pétrole au-dessus de ton bac. Qui, pour les échanges gazeux, on va quand même le rappeler, c'est pas bon. Hein, la couche grasse au-dessus, on va quand même l'éviter au niveau du Ah non, c'est pas pH, bon, non. c'est pas bon. C'est comme ça que les nappes de pétrole font énormément de dégâts, hein. Ouais, on a une sous en dessous, donc si on a un film gras qui se crée en dessous, on a forcément une chute du pH et une acidification et une baisse du taux d'oxygène dans l'eau. Dans certains phytos, oui, mais dans la phase solide du phyto. Parce que dans la phase solide du phyto, oui, sur le phyto lui-même, il y en a. Par contre, tu vas pas dans l'huile d'olive. T'as Oui, intérêt je de vois faire pas une belle d'autre. émulsion, hein, si tu veux la donner en maillot. Sous forme de maillot, tu peux la distribuer. Je ne sais pas, je vois pas les mêmes questions parce que là, j'ai pas vu l'huile d'olive. Je vois tout l'oche C'est qui dit Cyril. ben, parle-nous du druid food et les oméga 3-6 food et puis Bercel proactif, Julien. Donc, moi, je sais pas pourquoi, je vois pas trop les questions. Il y a. J'essaye hein, d'actualiser mon Et affichage. donc, mais le gros souci, si tu veux, c'est que là, par exemple, puis dans le phyto, puisque dans le phyto, tu le retrouves, puisque dans certaines, d'ailleurs, il y a certains phytos qui en sont plus chargés que d'autres, mais ces phytos qui sont chargés plus que d'autres, me semble, Alexandre, si Alexandre est là, il doit avoir le nom parce qu'il en a fait un peu élevage de ce phyto-là qu'il a eu et qui est très, très, très chargé en oméga-3 d'ailleurs et en oméga-6. Je sais plus le nom du phyto en question, mais Alex le sait puisqu'il en a élevé. D'accord. Et donc, une question que je Oui, viens de voir quand même de Mélisse, si tu mixes un peu de poisson et qui en donne, je pense qu'on peut nourrir avec de l'oméga 3. Donc, c'est vrai que la chair de poisson, elle va apporter de l'oméga 3, mais là où il faut faire gaffe quand même avec ton poisson, c'est où est-ce qu'il vit, parce que certains, ils vont avoir absorbé énormément de métaux lourds. merci, Alex. Teracelmiste, ça c'est un phyto qui est très chargé et aussi en protéines d'ailleurs. T'as de la chance de voir les réponses parce que moi je les vois pas. Non, c'est pas en liquide, c'est la phase solide. Attention, ne confondez pas, c'est pas parce que quelque chose est très fin
qu'il est mélangé à de l'eau, qu'il est sous forme liquide. Tu peux pas. C'est à l'intérieur du phyto hein, qu'on trouve les oméga-3. Hein. C'est pas le jus de phyto, hein, attention. Mélangez pas. Tu réponds à des questions que je vois pas, donc j'ai du mal à suivre. Hein, j'essaie Ouais, t'es un peu à la d'actualiser. ramasse, pépère. Hein. Attends, elles arrivent. Oui, bah. Résultat des courses quand même. J'espère que pour les gens, ils arrivent à voir en ayant les questions à côté. Mais Ouais, bon. bien sûr, ils voient, t'inquiète pas. Mais ça, comment? Il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Tu peux y aller sans problème avec du phyto, mais il faut toujours en faire attention. C'est encore une fois, oui, pareil, oui, les œufs de poisson, c'est pareil, c'est fort chargé. Mais de toute façon, dès que ça va être un corps gras, ça va être, même si c'est comment, si c'est un corps gras qui est épais, enfin qui est épais, qui aura de la contenance, je dirais, t'auras plus. Forcément plus de corps de parties grasses dedans et ces parties grasses, elles vont te donner quoi. 3G en Alaska. Ils se moquent de toi. En Alsace. En Pardon. wifi, hein, attends, quand même que les gars, ouais. Ma box elle est juste là. Voilà ma box. Enfin, pour ce voilà, donc je suis à côté de ma box, donc j'y peux rien. Moi, si Ouais, mais c'est une là, direct, mon c'est pas une vraie box. C'est une magic box. pardon, non, je suis exprès parti de chez Free pour Tu passer t'es chez trompé, c'est écrit Seb. box dessus, mais ça envoie pas la wifi, c'est une magic box à ton gamin. Non, non, j'espère pas. Non, non, j'ai pas Quel intérêt. produit est valable sur le marché? Et tous, quasiment tous, il n'y a pas de produits qui ne sont pas valables. C'est quel produit est utilisé correctement, c'est tout. Ah, ça, c'est important aussi de signaler. Il y a énormément de produits où, même moi, à titre perso, j'ai énormément de questions. Les gens, ils te disent, ouais, j'ai ce produit, comment l'utiliser? Et là, j'ai juste envie de leur dire, mais lis la Notice. notice. Lis. Il y a la notice. Hein, à l'époque, dans une de mes anciennes boîtes, on aurait dit RTFM, Read This Fucking Manual. C'était en fait, c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ajoutent les produits, ils ne lisent pas les posologies, ils ne lisent pas comment faut le faire, ils écoutent un copain qui leur dit, ah, oh, t'en mets 3 gouttes. Et en fait, non, il en faut 3 gouttes pour Maison. lui. Quand tu as 100 litres, ben, t'en mets pas 3 gouttes. L'autre jour, quand j'ai fait. C'est mieux, non? Ah oui, Et, mais c'est pareil, ce que je disais tout à l'heure. Si tu prends la notice, si tu prends la notice d'un produit X ou Y, tu vas lire la notice, mais ils ne te disent pas à quoi il est rattaché. Et là, le gros souci, c'est que ne te disant pas à quoi il est rattaché, ce produit. Par exemple, je prends le cadre des protocoles ULNS, tu prends les produits de manière séparée, bah, tu lis les bouteilles, tu t'en sers comme ils te disent. Sauf que si on ne te dit pas que c'est rattaché à un protocole, bah, tu vas dans le mur, tout bonnement. C'est l'histoire l'année dernière du produit Aquamedic Tricomplex, où en fait il fallait un protocole ULNS qui n'était pas précisé et le résultat des Il le courses, il n'y vendait a pas comme un billing d'équivalence. traditionnel. Voilà, résultat des courses, ben oui, le produit en soi, dire qu'il est mauvais, non, mais si tu ne suis pas le protocole complet, ben tu vas au casse-pipe. Donc voilà. À quel moment nourrir? Je vois qu'Alexandre, mais à quel moment nourrir? Bah, peu importe, de la manière que tu veux, si tu le fais de manière régulière, c'est-à-dire tous les jours à la même heure, ton corps, il saura qu'il va manger tous les jours à la même heure et il sera prêt à chasser tous les jours à la même heure. C'est comme quand tu décides d'allumer à 2 heures de l'après-midi pour l'éteindre à minuit, ton aquarium, eh ben, il va suivre ce cycle-là. Donc, de la même manière pour le nourrissage, si tu le mets de telle heure à telle heure, eh ben, ton aquarium, enfin, tes animaux vont s'habituer à faire de ça. Personnellement, j'ai lu une étude il n'y a pas si longtemps sur l'impact du moment du nourrissage sur la croissance des coraux. Et en fait, si tu nourris le matin,
Il arrive mieux à digérer avec ensuite l'apport de lumière et ainsi de suite. Résultat des courses, il va plus pousser et donc pousser plus facilement si tu le nourris le matin que si tu le nourris le soir. Ouais, mais si tu nourris tous les soirs, je vais te remettre le problème dans l'autre sens. Si tu nourris tous les soirs, il va manger. Il va avoir sa latence nocturne. Et le matin, quand tu vas allumer, tu ne vas pas remettre à manger. Donc, il va digérer tout ce qu'il a eu pendant le soir, qu'il n'a pas digéré pendant sa latence nocturne. Il va le digérer dans sa journée. Donc, au final, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande différence entre le nourrissage le matin et le nourrissage le soir, tu sais. Il faudrait que je retrouve l'étude et que je la partage et que je la traduise. Parce que bien sûr, comme souvent, les études, elles sont en anglais. Donc voilà. Mais il faudrait que je la retrouve. Je sais, ouais. Quand j'ai fait mes recherches pour ma nourriture sur les éponges, j'ai vu plusieurs vidéoconférences en américain, en anglais, j'ai eu plusieurs vidéoconférences, enfin plusieurs études sur le milieu avec les éponges et leur nourrissage. La bonne moitié a été en anglais, quoi. Ben moi, à titre perso, donc pour me documenter pour tout ce que je fais, je suis constamment entre l'anglais et l'allemand. Il y Alors, a non, c'est pas grave. Si tu donnes pas à manger, c'est ce que je disais tout à l'heure. Excuse-moi, je te coupe, je réponds à la question de Yann Lemary. Non, c'est pas grave. Si tes coraux, si ta population de coraux ne le demande pas, t'as aucun intérêt à les nourrir. Si, comme je le disais tout à l'heure, tu as une grande partie de tes coraux qui sont photosynthétiques, n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Faudra toujours un petit plus si tu en as certains qui ne le sont pas. Mais maintenant, il n'y a rien qui t'y force. Pourra très bien les tenir. Mais encore une fois, dans la condition où ce n'est pas des coraux qu'il faudra nourrir. C'est ça qui est très important à prendre en compte. Et puis, de toute S'il n'y a façon, pas ils de vont compensation, piocher il n'y leur a pas de goût. part. Ils vont piocher leur part de toute façon dans le nourrissage des poissons. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on donne en nourriture pour les poissons, le corail qui a un petit peu de chance, il va en choper au passage et il va manger ça. Et les déjections des poissons, elles aussi, elles servent de nourriture pour le corail. Donc, de toute façon, même si tu ne le nourris pas spécifiquement, il va Excuse-moi, je choper. te coupe 2 secondes. Je te coupe 2 secondes. J'ai plus 1% de batterie, donc si ça coupe, c'est juste parce que j'ai plus Ben, ce sera à ce moment-là, à la fin de ce live. de Ben, à ce moment-là, peut-être on clôture ce live parce que moi, je vois pas les questions, donc j'ai pas l'impression qu'il y en a une Alors, masse. pour Mehdi m'a dit qui en pose encore. Les acroporoses, c'est photosynthétique. Alors, oui et non, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, tu vas avoir des acroporas qu'on va trouver de type deep et des acroporas qu'on trouvera de platier. Et donc les acroporas deep vont avoir des mésotentacules qui vont leur servir à se nourrir en complément de la photosynthèse, parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir exclusivement de photosynthèse dans la nature. J'espère avoir répondu au mieux. Peut-on nourrir les coraux si on a de la dino? Tu peux nourrir tes coraux si tu as de la dino, mais si tu as de la dino, c'est bien souvent parce que déjà tu as trop de nourriture dans le bac, que ton bac n'arrive pas à épurer par manque de bactéries ou par surcroît de nourriture. Donc cette nourriture, ça peut être des oligo-éléments comme ça peut être des nutriments. Et alors pour le coup, si tu as cette apparition-là, veille à gonfler ton potentiel bactérien, réduire ton apport de nourriture et à ce moment-là, voilà, tu verras que ta dino va disparaître d'elle-même parce que la dino, tout comme la cyano, prend la place de bactéries manquantes, c'est tout. Simplement. C'est la nature, elle bouche les vides. Elle n'aime pas le vide, la nature. Voilà. On utilise un certain produit, il pousse plus rapidement. Ben ça, il faut demander à celui qui l'a fait son certain produit. Si ça pousse plus vite, c'est parce que tu les stimules. Tu les forces à manger, tu les stimules et tu leur permets d'améliorer enfin, je parle pour mon corps, hein, parce que j'imagine que c'est de ça que tu veux parler. Je stimule et je favorise l'accroche entre les atomes, je dirais, pour faire le squelette. Et c'est pour ça d'ailleurs que le squelette est beaucoup plus gros, beaucoup plus dur et aussi pousse beaucoup plus vite.
Voilà. Alors pour Toloche, non, le surplus n'amènera pas plus. Enfin, si, il va amener plus jusqu'à un certain stade. Au-delà d'un certain stade, tu vas amener une surpollution parce que au-delà d'un certain stade, tu ne pourras pas loger suffisamment de bactéries de ton potentiel bactérien étant ton support et ton support étant tes pierres vivantes. Au-delà d'un certain stade, tes pierres vivantes ne peuvent pas accueillir plus de bactéries qu'il en est possible. Donc, effectivement, tu vas au début, oui, faire profiter, et puis après, ça sera plus du profit, mais ça sera une pollution. Donc, c'est encore une fois, il faut jauger. De toute façon, tout est bon. Il n'y a qu'un truc qui tue, c'est l'excès. Ah, je crois que on a perdu Joe. Est-ce qu'il va revenir? Donc oui, il a raison. Il n'y a qu'un truc qui tue, c'est l'excès. Et donc forcément, il faut mesurer les quantités qu'on ajoute pour ne pas en avoir de trop. Et c'est vrai que si le surplus il est modéré, il va bénéficier et microfaune reste du bac, mais ensuite au bout d'un moment forcément il va pas enfin s'il y en a vraiment de trop, une fois que tout le monde a bien mangé, ça apporte des emmerdes. Bon, sur ce, j'espère que cette après rip shoot question réponse vous a plu. On a fait ce qu'on a pu au niveau technique. Je me rends compte que la prochaine fois je me mettrai un PC à côté pour pouvoir voir les questions, parce que là j'ai vu zéro question et vraiment j'en suis navré. Je vous dis à ciao pour d'autres rip shoots, et puis ben d'ici là portez-vous bien, préparez vos questions pour les prochains rip shoots qui arrivent. Frédéric nous a préparé un super programme et on va faire en sorte que avec l'ensemble des autres administrateurs on continue à dynamiser ces échanges. Parce que véritablement, c'est enrichissant pour vous comme pour nous, ces échanges beaucoup plus dynamiques. Donc, merci à tous et je vous dis à ciao sur un autre Reef Shoot.